مرحبا بكم في نطاق الحملة الإعلامية حول الرمان التونسي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع جيفري المجمع المهني المشترك للغلال والسيبكس مركز النهوض بالسبيلات المكلفين عن تطوير وتسويق الرمان بدعم من بومبا دو مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية بالأسواق بتمويل من سويسرا ونفذ منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية لوميتي. اليوم باش نحكيو على الرمان شوية تاريخ شوية نعطيها سوسيولوجي نتاعو شوية أنثروبولوجي نتاع الرمان مع دكتور سونيا ملايح حمساوي. عسلامة مرحبا بك. ايه عسلامة يعيشك وبيك. باهي باش حكيت على لوريجين تاع الرومان البونيكا غراناتوم ولا لابيلا بونيكا تنجم تحكي لنا اكثر على هذايا. الوغ سجرة الرومان اللي هي لو غرونياجي سي ان اربو فروتي بيان سور اللي هو قديم كي ا ايتي كولتيفي دوبوي لانتيكيتي وي ساميو لو بونيكا غراناتوم. Donc, quel manjoud essentiellement depuis l'Antiquité dans le centre du Proche-Orient, c'est-à-dire notamment en Iran et en Asie mineure. Et sa culture dans le Tunis depuis l'âge du bronze, pas uniquement en Tunisie, mais dans tout le pourtour méditerranéen. Et cet arbre, il a été cité dans le Coran et dans la Bible. Dans le Coran, on a la sourate des bestiaux et des miséricordieux. Et il a été cité au même titre que la vigne ou l'olivier ou le palmier, ainsi de suite. Et cet arbre, donc, dans les mythologies et les croyances de la Mésopotamie, mais également la Grèce antique ou l'Égypte ancienne, il symbolisait la vie, il symbolisait la fertilité, il symbolisait la puissance du fait de sa couleur rouge vif. Il symbolisait aussi le sang, la mort et la sexualité. Et il a été associé, sa symbolique a été associée à la procréation. Chez les Carthaginois, il symbolisait la déesse du Tanit. Chez les chrétiens, il symbolisait la cohésion dans la communauté des croyants. Ou ahna fil islam, Rasoul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il le considérait comme un fruit du paradis. Et donc, ce fruit, il est apparu en Tunisie, il est très ancien, donc... son apparition date au moins de l'époque phénicienne. Les Romains croyaient qu'il était originaire d'Afrique du Nord et l'appelaient donc la pomme punique, alors que en réalité, il a été importé par les Phéniciens on l'appelait la pomme de Carthage. Donc voilà, grosso modo, l'histoire, l'origine, la symbolique de la grenade. Bien sûr, elle a bien d'autres symboliques dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine. Et on ne va pas s'étaler sur ça. Voilà. Donc la grenade, Voilà. Au moins, elle est apparue à l'époque phénicienne, jette-moi les Phéniciens, sinon peut-être plus. Attaquer n'a qu'à l'anthropologie, n'a qu'à la sociologie, t'as l'aliment, t'as le romain. Je me coule les femmes hajites, les cadeaux d'un noir. En tout cas, les cadeaux, peut-être la manière de le consommer. Son utilisation dans la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, il était connu pour être vermifuge. Et donc, on utilisait les racines de la plante, de l'arbre plutôt, ses racines, son écorce et sa membrane, qu'on faisait bouillir dans de l'eau
et qu'on buvait parce que on disait que c'était vermifuge. D'accord. Ok. Donc, les pratiques culinaires, ta romaine, comment ça se passe les... Alors, déjà, il faut savoir que la Tunisie est une très grande productrice de grenades. On est parmi les pays qui produisent beaucoup de grenades. Rien que pour la saison 2018-2019, on a produit dans les 75 tonnes de grenades. Alors que et c'est une production qui va en augmentant. Entre les années 77-81, la production, elle était en moyenne de 16 tonnes par an. Donc, on voit que on est en train de la production est en train d'augmenter. Les régions productrices de grenades, qui tournent essentiellement Guebes, Béja, Kerouen et en quantité moindre Nebel, mais ça reste quand même significatif. Tunis, elle produit à peu près 20 variétés de grenades telles que le Zahri ou le Guebsi ou le Jbeyi ou le Tounsi, ainsi de suite. Et bien sûr, nous avons des pratiques culinaires relatives à la consommation des grenades. Par exemple, on est les seuls, on a une Staffordou, la pratique de consommer le romaine bazar au sucre. D'accord ? On est à l'Ahnanfaouhou, si vous voulez, donc Nestamlou, Zahar ou sucre. Et ça, c'est une bonne habitude pour tout ce qui est organoleptique, ou ainsi de suite. Mais quand on sait, par exemple, voilà, quand on dit Ali, le romaine, Nansroubi, certaines personnes diabétiques à la khater qui a le sucre من d'autres fruits, il faut que cette personne diabétique fasse attention au fait il devient riche en glucides. Donc là, il faut faire attention. Donc il y a une des pratiques qu'on manha pour pratique culinaire interne, nhatou zeda fel masfouf, kif zeda انسان اللي عنده ديابيت ولا انسان اللي يحب يضعف ياكل الرومان بالمسفوف ماهوش باش يضعف دونك سي كلير الرومان كنا نعملوه ومازلنا نعملوه دون لا كونفيتور والكونفيتور اون جينيرال نزيدو نخلطوها افيك دي فروي سيك اي دونك اون اوغمونت زاد لابور كالوريك سا اوسي يفو فير اتونسيون اي لو كومون ديراج لي غرناد انفان l'écorce, la membrane et les graines, les aris, on appelle ça les aris avec la graine, ils peuvent être aussi transformés en jus et c'est un jus qui est très désaltérant. Qbal zeda kenou ou mazal toa fi ba'd al-a'ilat yakhdou l'qchour nta' roman yshayhouhom ou yirhiouhom ou men ba'd yistamlouhom comme condiment dans la préparation de certains gâteaux ou voilà, dans certaines préparations tunisiennes. Et il a bien sûr d'autres utilisations à part ce qui est culinaire. Par exemple, qbel kenou yitayibouh ou yistamlouh comme de l'encre. Donc il était utilisé à la place de l'encre. Il était transformé aussi en vinaigre. Jusqu'à maintenant, il peut être transformé en vinaigre. Et l'huile de grenade, elle est extraite de la graine de grenade, elle est utilisée dans les cosmétiques. Donc, on peut l'utiliser dans les cosmétiques. Et bien sûr, il ne faut pas oublier ça non plus, le kashram tal romain, elle était utilisée dans la teinturerie. D'accord ? Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le kashram tal romain, 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 le kashram tal يدهنوا القشرة نتاع العظمة بالقشور الرمان. Donc ça, ça permettait aussi d'avoir des couleurs sur les coquilles des œufs. Donc voilà à peu près les pratiques culinaires tunisiennes et autres dans l'utilisation de la grenade.
واضح. تنجم تحكي لنا شويه على الستركتور تاع تاع الغرناد؟ اي معناتها وي. الوغ لا غرناد وقت اللي نشوفوها نقولوا فيها برشا قشور. اي سي فري سي فري، على خاطر 50% نتاعها قشور 50% لو فوي داكور. ال 50% سي ان فيت القشور اي لا مومبران بلونش هذيك اللي راهها ترونسبارونت لداخل. Donc, ça, ça fait 50%. Les 50% de l'orline, c'est entre ce qu'on appelle la riz et les aris et les graines. Carbet l'habbamta romaine, hédika. Fait une partie hamra transparente, hédika, c'est la riz. Wuddachlin, yebes, hédika, c'est la graine. La partie transparente, elle constitue 80% des 50%. Ça, le fruit. Et la graine, elle constitue 20%. Et donc, la structure de l'écorce, la membrane vive de la grenade, est une source très importante de composés bioactifs, comme le polyphénol, flavonoïdes et les aligates. Les alagitana, d'accord, géine métana, d'accord, parce d'accord. que c'est très riche en tanin. Là, je vous parle d'autres produits alimentaires alliés au métana, qui font par exemple le thé l'akhdar, qui est tanin, romaine qui est akthar tanin, le thé l'akhdar, d'accord. Donc, c'est vraiment l'aliment riche en tanin. Le romaine, femme, certaines sociétés, elles ont des produits nutraceutiques, type pharmaceutique, femme, les produits nutraceutiques, c'est des compléments alimentaires, si vous voulez, qui sont pris pour leurs bienfaits sur la santé. Ces produits ne sont efficaces que s'ils sont élaborés d'une manière très correcte. واضح. بالطبيعة معناتها وقت اللي واحد يستعمل ياكل الرومان فما برشا فوائد، بكو دو فالور نوتريتيف في الرومان. وي. الوغ لي فالور نوتريتيف نتاع الرومان اون ايت ان تران دو بلوس ان بلوس دو لي ميتر اون فالور اون فات جوسكا 2000 جوسكا لان 2000 il y avait à peu près 20 études scientifiques qui ont été faites dans le monde, qui ont été faites sur les grenades et les bienfaits de la grenade. Et à partir de 2020, il y a eu une expansion très importante des études qui ont été faites sur la grenade. À la fin, on s'est rendu compte de son intérêt nutritionnel. Premièrement, elle est très riche en eau. Fait à peu près 80% menha, c'est de l'eau. Donc, c'est un excellent désaltérant. Deuxièmement, elle est peu calorique. Mais qui est vache à calories. Bien sûr, il y a une mazidnahèche zahar ou sokur ou la mahatinahèche fil masfouf. D'accord? Ça rapporte, elle est peu calorique. Elle ne contient pas beaucoup de glucides. Entre 13 et 15 grammes de glucides pour 100 grammes. Les lipides mteha, c'est de bons lipides. Lipides linoléiques, etc. Elle contient des fibres. Or, les fibres sont importantes pour la santé et pour le bien-être et ça entrave l'absorption du calcium, des glucides, etc. Elle est riche en vitamine C et elle est riche en vitamine du groupe B, notamment la vitamine B6 et la vitamine B9. Et bien sûr, elle est riche en minéraux, essentiellement le potassium, le cuivre, le magnésium et le sodium. La particularité de la grenade, c'est qu'elle est riche en composés phénoliques, c'est-à-dire qu'elle contient des éléments du polyphénol. Le polyphénol est un antioxydant. Les antioxydants, on les retrouve dans les agrumes, on les retrouve dans la myrtille, on les retrouve dans certains
dans certains fruits, mais بالنسبه la grenade, on a une teneur très importante, assez élevée, de polyphénols qui sont antioxydants et qui sont bénéfiques pour la santé et qui vont avoir donc qui vont permettre de chasser, si vous voulez, les radicaux libres dans l'organisme, et par conséquent ils vont prévenir contre certaines maladies telles que le cancer, les troubles cardiovasculaires, infectieux, etc. Mais il ne faut jamais confondre entre pourrait intervenir, pourrait prévenir, le conditionnel et le médicament qui est certain. Donc, schnorsed, il ne faut jamais remplacer un apport de grenade. Un apport en grenade ne va pas remplacer les médicaments. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'elle a des vertus antioxydantes, anti-inflammatoires. Elle peut retarder le vieillissement, prévenir contre certaines pathologies, etc. Mais elle ne peut en aucun cas remplacer un médicament. Il faut être clair sur le sujet. Donc, on la retrouve dans la médecine traditionnelle comme vermifuge. Elle va éloigner, si vous voulez, les vers. Mais elle est aussi connue pour ses vertus de retarder le vieillissement. D'ailleurs, sa richesse en vitamine B9 fait que elle va avoir une influence bénéfique sur la chevelure et sur les ongles. Sa richesse en vitamine C, bien sûr, il ne faut pas que la vitamine C soit altérée. La vitamine C, elle est très fragile. Elle ne supporte pas la lumière, elle ne supporte pas la chaleur. Donc, si elle est soumise à une source de lumière, voilà, à de la chaleur, on va perdre de la quantité de vitamine C à l'immojouda fait le grenade. Donc, pardon, il faut faire attention dans ce sens-là. D'accord ? Elle est bénéfique pour les maladies cardiovasculaires, les acides gras essentiels tels que l'acide linoléique, linolénique et arachidonique. Donc, Hedouma, il chasse, si vous voulez, le mauvais cholestérol. Donc, c'est pour ça que c'est bénéfique. Elle peut être bénéfique dans les maladies inflammatoires digestives, mais elle ne peut jamais remplacer le médicament. Ça pourrait aider un peu, mais ça ne peut pas remplacer le médicament. Toutes les études qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, c'est des études qui ont été faites sur des animaux, des rats, des souris, voilà, sur des cellules vivantes, donc in vitro, et les résultats sur l'homme ne sont pas encore définitifs. Donc, il faut faire très attention, il faut rester attentif par rapport à ça et ne jamais renoncer à un médicament contre de la grenade. Donc, elle pourrait prévenir, voilà, retarder l'apparition, inhiber la prolifération de certaines cellules cancéreuses, notamment pour le cancer de la prostate. On dit aussi qu'elle agit sur le cancer du sein, etc. Mais comme ça reste hypothétique et on est toujours dans le conditionnel. Quoi d'autre? Kif benesbal le diabète. Du fait que elle contient beaucoup de fibres et que elle n'est pas très riche en glucides, et que les glucides qu'elle contient, c'est plutôt du fructose. Donc de ce fait là, l'index glycémique interne ne va pas être très important, mais qu'elle dit le sucre ou qu'elle dit le masfouf, je dois les la valeur glucidique est très importante, et donc à ce moment-là, il faut faire très attention. Elle agit aussi sur certaines maladies de la bouche, essentiellement la gingivite. Donc là aussi, on peut l'utiliser. Ça reste comme hypothétique, mais elle pourrait aider
de combattre cette flore bactérienne au niveau de la bouche. Elle a des bienfaits sur les cheveux et les ongles. Et elle pourrait aussi avoir des effets sur l'obésité, mais ça reste au stade expérimental sur les animaux, notamment les rats et les souris. Donc, grosso modo, si on veut résumer, on va dire que la grenade, elle a vraiment beaucoup d'atouts, puisqu'elle ramène beaucoup d'eau, elle est désaltérante, elle ramène peu de glucides, peu de calories, elle ramène des vitamines, vitamine C, B6, B12, B9, c'est marqué, des sels minéraux, magnésium, cuivre, etc. Donc, elle est vraiment bénéfique pour la santé, mais elle ne soigne pas, elle ne guérit pas. Ça, il faut le dire. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Sonia Mlayah Hamzaoui. Voilà, donc, Khdina Fakra Al-Roman. Merci beaucoup. Aïchk. Je vous en prie. Parfait.